Bon, j'adore le vin. Ça va. C'est pas coupable, j'assume. Dynamique, passionné, sincère. Rustique, du coup, c'est un restaurant qu'on a créé avec Hélène à la toute fin 2019. C'est un restaurant sincère. Ça, c'est un mot qui nous tient à cœur. Et c'est un restaurant où on propose une cuisine paysanne contemporaine qui est liée au territoire de Rhône-Alpes-Auvergne. On réutilise tous les produits d'eau douce, tous les produits paysans en fait qui étaient consommés il y a des années. C'est le biscuit de brochet anguille fumée. C'est un plat qui est un peu à l'antithèse de la cuisine de notre génération où tout est souvent très cérébral. Ça, c'est un plat qui est juste axé sur la gourmandise et c'est un plat qu'on mange avec les doigts, qui est voilà, gourmand, avec des textures très différentes. Et moi, je sais que quand il est dans le menu, ça me fait du bien et ça me fait du bien aux clients aussi. À la base, j'étais pas du tout parti pour ça. Il y a une quinzaine d'années, j'ai Romain, qui est mon meilleur pote d'enfance, qui était parti faire un voyage en Irlande. Et en rentrant, il me dit, viens, on va faire une saison dans le sud. Qui dit saison, on dit, il faut trouver du boulot. Qui dit, il faut trouver du boulot, des restaurations. Du coup, je trouve un job pour faire la plonge. Et j'ai adoré l'énergie qu'il y avait dans une cuisine. La vie qu'il y avait m'a énormément plu. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, j'adore le vin. Ça va. C'est pas coupable, j'assume. J'aime beaucoup les chefs qui sont présents dans leur maison et qui bossent tous les jours. Et je trouve que Pierre Gagnaire force le respect par tout ce qu'il a fait, par sa carrière, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Je trouve que c'est quelqu'un d'une simplicité extraordinaire, très terre à terre, et c'est tout ce que j'aime. Les endives. Les endives cuites. Je ne supporte pas les endives cuites. Et mes parents ont essayé de m'en faire manger par tous les moyens et c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis hyper longtemps. Quand j'avais été jeune talent en 2017, j'avais dit un jour je serai grand de demain. Quelque part, c'est un cheminement. On a reçu ce prix avec beaucoup de joie. J'adore cuisiner à la maison et c'est très différent de ce qu'on fait dans un restaurant. J'adore cuisiner pour les moments qu'on passe avec Hélène. C'est des moments où on prend du temps tous les deux pour nous et donc c'est important.